toujours comme ça. Quand on défait, ça va toujours plus vite. De décrochage en fait, comme la fin d'une expo, c'est pareil, en accéléré, un remballage. Une destruction là. Une destruction. Elles ont du mal à se décrocher du mur, elles ont encore envie d'y rester un peu. Disparaît à un moment. Ça mettra forcément pour des œuvres d'art beaucoup plus connues des centaines d'années peut-être, mais à un moment ça n'existera plus. Donc ça finalement c'est le processus accéléré de la vie d'une œuvre d'art peut-être, en très accéléré. Je pense que ça fascine peut-être, je sais pas. Fasciner, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas ça intrigue. Tu parlais d'ennui tout à l'heure, est-ce que c'est pas moins ennuyeux? C'est beaucoup moins ennuyeux de faire ça. C'est presque, c'est répétitif, mais c'est beaucoup plus agréable. Pour toi ou pour le spectateur? Peut-être pour le spectateur aussi, je sais pas. Je suis pas spectateur, je sais pas ce que ça fait. Il est comment le spectateur là? Je sais pas. Il regarde en tout cas. On a réussi à le captiver. C'est presque comme si la pièce c'était le mur en fait. Découragé super vite. 4, hein. Ouais. J'ai l'impression que tu connais tous les 4 en fait. C'est vrai? Ouais, c'est mais qui? Bon. C'est les gens que je connais, quoi, mais peut-être pas. Hein. Ah oui, j'ai vu ça. Réussi à tout démonter? Oui, c'est ça. C'est incroyable.
Allez, Duro, je te laisse enlever les deux dernières. Non. Allez. Ah, j'en peux plus, hein. Allez, vas-y, la dernière. Tu l'as enlevé comme ça, sinon. Je suis fatigué, quoi.